Yo les gens, c'est Hercule, car oui, aujourd'hui on va vaincre Zeus et tous ces petits poteaux, les dieux de l'Olympe. Bienvenue dans l'Escape de l'Olympe. Vous commencez au sanctuaire d'Aphrodite. Donc qu'est-ce qu'il y a? Des statues, des lumières au sol. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Proclamez-vous dans le bon ordre pour faire votre don. Pour accéder à la prochaine. Ah ok. En gros, faut se prosterner devant les statues. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. C'est un truc des couleurs. Blanc, je me prosterne devant vous. Blanc, bleu. Hop, blanc, bleu. Vert. Et rose. Let's go, récupérer l'eau pour Aphrodite. Yes, déposez l'eau, let's go. On a capté. Ah. Aphrodite vous remercie et vous ouvre le chemin. Let's go! Yes. Putain, c'était chaud, hein. L'entrée d'Hadès. Ok. Là, il y a un petit truc bizarre. Ok, je pensais qu'on pouvait traverser la lave. Ah, qu'est-ce qu'il y a écrit là-haut? C'est du charabia. Super. On est bien aidé. Ah, les bouches. Peut-être que les bouches sont l'entrée. Il doit y avoir un trou. Let's go, c'était sûr. Trouve le code à 3 chiffres pour accéder à l'entrée d'Hadès. Est-ce que ça serait pas 666? Bon alors pour le code, j'ai absolument pas capté. Au début, je pensais que c'était en fonction de la lumière qu'on voit là-haut là. Et des roses. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas... Du coup, bah c'est 356. Je sais pas si c'est vraiment ça la bonne méthode pour trouver le code. Le créateur nous le dira. En tout cas, ça ouvre le passage vers l'antre. Voler la flamme maléfique d'Hadès. Prends la fuite avant qu'Hadès n'arrive. Ok. Ouais, donc c'était bien ça la technique. Il fallait bien se suicider vu que j'ai gardé le flambeau. Allez, à plus. Ok, Poséidon, j'arrive. Je suis vraiment en fonction du premier niveau. Ça. Ça. Et ça. Ok, bah ouais. Je comprends pas. Mais ça a marché. Ce que Poséidon accepte votre don et vous ouvre le passage. Yes, aïe. En fait, je comprends pas. Des fois, faut taper, des fois, faut pas taper. J'ai toujours pas capté le truc. Mais en gros, c'était ça. C'était en fonction du premier niveau. Putain, c'est compliqué, hein. Repère de Gaï. De Gaïa. De Gaï. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Bois plus fretin, pierre plus poisson, métal plus boîte, bleuvage plus plante plus radio égale joyau plus pièce. Égale poisson mystique, boîte de conserve. Ok. Faut que j'aille récolter du bois. Wow, putain, ça va être compliqué! Le bois, je crois, on l'a vu, c'est il y avait du bois quelque part là-bas. Hop, le bois, il est là, c'est cool. La pierre, bah ça doit être vers par là. Ah, ça doit être celle-là. Non? Pourquoi ça fait tulu? Ah, c'était sûr, voilà. On a de la pierre, le truc. Qu'est-ce qu'il nous manque encore? Oh oui. Alors, bois plus fretin. Pierre plus poisson. Là, je crois qu'on a le fer du coup. Ouais. Ah, on a un poisson. Let's go. Et il nous manque le dernier. En gros, faut faire beaucoup d'aller-retour dans la map. Hein. C'est assez compliqué. Peut-être, bien foutu, bien ficelé tout ça. Let's go. Cœur téméraire. Voilà. Du coup, attendez, je vais mettre ça là. Et on va construire les autres trucs. Ok. Du coup, bleuvage plus puante plus radio. Et comment je fais? Parce qu'en fait, je peux pas tout prendre. Cœur secondaire, ça doit être là.
qui s'est passé. Ok, j'ai gagné une pièce. Mais j'avais oublié ça, attendez. Bah du coup on y retourne, on va voir si c'est bon. Yeah. Ah ah. Nourrir Gaïa avec les bonnes recettes. Collecte les 6 premiers items. C'est ça. Yes, Gaïa te félicite. Il nous reste la pièce. Ah. Oui, on a le poisson légendaire là. Ah, c'est là. Gaïa accepte vos efforts et vous cède le passage. Mondares. Ouh, il y a de l'argent un peu partout. La réponse se trouve à la pointe de l'amour. Amour, bah c'est le début. C'est Aphrodite. La pointe de l'amour, c'est forcément le cœur. Ah ah, la solution flotte sur l'eau. Et le seul truc qui flotte sur l'eau, c'est le bateau. Au pied de l'arbre mort se trouve l'indice. L'arbre mort. Bah du coup, là, je suis obligé de respawn, non? Ouais, je crois qu'il n'y a pas de solution pour remonter. De toute façon, les dieux, ils sont cléments avec moi, donc... L'arbre mort. Du coup, l'arbre mort, c'est sans doute chez Hadès. Caché. Ah, ah, ah. Et pour finir, la clé est sur terre. Hé, hey, tu as trouvé l'Easter Egg secondaire. Ok. Mais je suis con. Je suis con, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bah oui, lui, il a pas la terre. Lui, il a la terre. Oh, quel débile. Ah, ah. Porte d'Arès déverrouillée. En fait, faut être vraiment attentif hein, à tout. Yes. Wow. Ah mais j'ai gagné en fait. Bravo aventurier, tu as réussi les défis des dieux de l'Olympe. A bientôt pour une nouvelle escape, votre humble serviteur Quiz. Et bah vraiment vraiment gros chapeau mec. Parce qu'il était dur de ouf. Mais quand je vous dis dur de ouf, c'était dur de ouf. Non, vraiment, c'est l'un des escapes les plus durs auxquels j'ai joué. Vraiment compliqué les quêtes, faut vraiment réfléchir. Non, vraiment, c'était chaud. Il a fait un autre escape, c'était la bijouterie. Vous pouvez aller la faire également, elle était lourde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Bofi, même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye bye!